Bonjour à tous, aujourd'hui je suis trop contente, j'ai reçu les produits de Filorga. La crème uniformisante éliminatrice pour les taches, le teint irrégulier et l'éclat. Ensuite il y a le Skin Unify Radiance, donc c'est le soin lumière perfecteur. Et en troisième, j'ai le sérum uniformisant éliminateur pour les taches, teint irrégulier et éclat. Donc c'est vraiment super car j'ai des taches au niveau du visage et je n'arrive pas du tout à les enlever. Donc voici comment est la crème. Donc le packaging hein, déjà. Voilà. Donc je le trouve vraiment très très beau. Hein. Je le découvre en même temps que vous sur cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de trois produits exactement. Ce sont les produits Filorga. Alors vous avez ici la crème, donc c'est une crème hydratante de Filorga. Après vous avez le soin lumière Skin Unify Radiance, donc c'est une texture fluide infusée de nacre iridescente. Vous avez ici le sérum Skin Unify Intensive, sérum uniformisant illuminateur. Ce sérum est anti-tache, visage et inspiré de trois techniques de médecine esthétique. Et il uniformise et élimine la peau pour un teint sublime. Voici comment il se présente. Alors, je vais faire ma routine. Alors, voici, je vous fais voir aussi le Skin Unify Radiance. Donc, comme je vous ai dit, c'est une texture fluide infusée de nacre iridescente. Et vous avez donc le Skin Unify, c'est la crème. Donc, ça fait laser, peeling, médical, strombing. Alors, pareil, c'est trois techniques de médecine esthétique réinterprétées dans une crème cosmétique. Donc, elle est toute neuve. Hein. Je vais les tester. C'est la première fois que j'achète les produits de Filorga, la texture, procédé donc par le sérum uniformisant éliminateur. Alors c'est bien, c'est un sérum anti-tache parce que j'ai des taches, je ne sais pas si vous les voyez bien, j'en ai plein le visage. Donc, pas besoin d'en mettre non plus. Je ne sais pas si vous allez voir. Vu qu'il est neuf. Voilà, c'est normal. Alors, la texture. Ah, c'est agréable, elle est très douce. Donc, toujours faire en partant du bas. Ça fait comme une mousse. Donc, le décolleté. Le cou. En montant comme ceci, toujours en montant, voilà, donc après on tapote, et on pince, doucement bien sûr. Pareil, de l'intérieur vers l'extérieur. Ma peau est déjà toute douce. J'apprécie énormément. En plus, ça sent super bon. Et elle est très légère. Ensuite, je vais passer au Skin Unify Radiance. Alors,
Pour l'ouvrir, vous voyez, il y a des petites flèches. Donc, il faut twister. Alors. Voilà, tout simplement. Et après, normalement, là, c'est fermé. On va faire comme ceci, ça s'est ouvert, vous voyez. Donc, on tourne, hop. Et là, vous voyez le produit qui descend. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je crois que j'en ai mis un peu trop. D'ailleurs, normalement, il faut le mettre qu'avec l'embout. Alors, il faut en mettre. Donc, du coup, vu que j'en ai sur les doigts, je vais l'utiliser. Alors, si j'ai noté, parce que c'est la première fois. Donc, ils disent menton, pommette. Donc, c'est 3. Alors, attendez, je vais le faire avec. Donc, une. Alors, ça coule plus. Ah, voilà. 2 et 3. 1, 2 et 3. Ils disent ici, donc ils appellent ça arc, arête, non, arc du Cupidon, ici. Là, le menton, c'est fait. Après, ils disent ici, arête de nez. Donc, 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, ils disent arcade sourcilière, une seule. Voilà. C'est mal fait. Hein. Je suis désolée, c'est la première fois. Là, c'est pareil, j'en ai mal mis. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, quand vous avez utilisé, vous retwistez et vous fermez bien. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut simplement estomper au doigt. Et en fait, c'est une texture fluide qui va illuminiser votre teint. Oh là là, ce matin, j'ai du mal. Allez. Tout simplement. Donc, vous pouvez mettre ce produit avant ou après après le maquillage. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, la crème. Allez, bah pour la crème, pareil que le sérum. Donc, on commence toujours par le décolleté. Alors, la texture est très bien. Elle est légère. Alors, moi, je fais toujours comme ça. Et après, je fais hop et hop. Je mets 4 points. Et après, vous allez voir comment je procède. Allez. Donc. Ça fait un bien de fou. Ah, c'est agréable. En plus, ça me fait une sensation de fraîcheur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Donc voilà, ça va être ma routine. Je pense que je vais l'aimer parce que c'est tout simplement très agréable. En plus, c'est une marque, depuis longtemps, je la voyais sur les réseaux. J'avais envie de la tester. Et ben voilà. C'est fait. Je vais la tester. Donc, je ferai un post sur Instagram au bout d'un mois, hein, pour vous dire exactement, pour vous donner mon avis sur ces 3 produits. Donc, on tapote.
On tapote, on tapote. J'ai du mal à tapoter avec la gauche. Donc, je fais avec une main et on tapote. Et après, pareil, on fait des petits pincements. En fait, c'est comme tout à l'heure, avec le sérum. Toujours de l'intérieur à l'extérieur. En tout cas, voilà le résultat. Donc, je vous fais voir maintenant, bien à la lumière, avant les 1 mois. Donc, mes taches, je ne sais pas si vous voyez. Par contre, vous voyez, ça fait bien. Ça, au niveau de la lumière, des zones où j'ai mis le sérum, ça brille. Non, c'est joli. Bon, après, on verra ce que ça donne sur 1 mois. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Ciao, ciao!